Voilà, donc là, c'est la cuisine qui sert aussi de salle de podcast. Le petit salon. Et là, je vais partager ma chambre avec un autre influenceur et deux autres ici. J'espère que ça ronfle pas trop sec. Challenge, je n'ai que 24 heures pour finir la fresque. Donc, je vais y aller à fond avec un public impatient de voir ce que ça va donner. Ok, c'est le jour 2. Donc là, j'ai dessiné toute la nuit, enfin toute la nuit jusqu'à 2h du matin, une fresque. Le but étant de faire un mélange entre le logo qui me fait rappeler un origami. Donc j'ai voulu faire le symbole de l'avion en papier. Un enfant pour la créativité et l'imagination surtout. J'ai voulu aussi prendre les couleurs de la créativité, c'est mes couleurs, de l'imagination, et faire justement ce côté un enfant qui regarde l'avenir, qui regarde devant, qui jette un avion comme on jette une prière à l'univers, à Dieu, pour dire voilà ce que je veux devenir. Et l'imagination amène l'enfant à rêver, d'où la phrase qui est à l'intérieur. Et ce casque qui représente la réalité que cet enfant veut vivre et va vivre par la puissance de son intention. Voilà, la fresque est terminée. Je vais pouvoir rentrer dans ma petite Provence pour m'occuper de mon nouvel atelier, le 2035, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un coworking dans lequel j'ai mon atelier aussi, qu'on gère ensemble avec Armel et Denis. Moi, je m'occupe de la partie culturelle et artistique. Et eux, ils gèrent le lieu qui leur appartient. Et ça serait une joie de vous retrouver là-bas. Et je vous fais bientôt une petite vidéo pour le prochain voyage, la prochaine mission.